Bouille, c'est 19h et tu n'en peux plus, tu es déjà là, tu étais là à 18h59, trop génial. Surtout que c'est disponible toute l'année les replays, donc c'est top quoi. Et moi, je te garantis que tous les jours à 19h30, je passe et j'ai les IP des gens. Et ceux qui sont pas revenus le lendemain, je leur envoie un petit email perso quoi, parce que il n'y a aucune raison que tu viennes un jour et puis le lendemain, non, t'es pas là. Moi, je vous rappelle que j'ai des stats à monter. Hein. Si elles redescendent, j'arrête. Ça sert à rien. Le sujet du jour, c'est un jeu d'arcade, un jeu de plateforme. Bah oui, écoutez la musique. Alors là, je vous mens, je vous spolie et je vous prends pour des couillons puisque c'est pas du tout un jeu de plateforme qu'on va faire aujourd'hui, c'est un shmup. Ah oui, la musique prête un peu à confusion, mais ce shmup, Wonder Planet, regardez-moi ça s'il est pas tout coloré et tout. Mais tu vas avoir des problèmes avec Playmobil, toi, dis donc. Enfin bon, je m'égare encore à nouveau. Et je sens que votre impatience fait que vous dites « Monsieur K, t'es sympa, tu parles, mais tu ne fais jamais voir les jeux en fait, tu nous mets tout le temps 2 minutes d'intro. » Alors je vous rappelle qu'il y a des jeux quand même assez pourris en 1987, et là on y est pile dedans. Et du coup, vu que je vous stream obligatoirement 5 minutes par épisode, j'essaye de faire durer l'intro, c'est vrai. Ceci dit, si ce jeu est génial, le stream va durer une demi-heure. Allez, on fonce dedans. Bon, fais l'intro, s'il vous plaît. Maurice ? Non, Meurice. Oui, j'écorche toujours ton nom, je suis désolé. Meurice. C'est un peu comme les meringues. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah ben, moi, j'avais prévenu un petit peu. Quoi, que on va être dans le shmup choupi kawaii. Avec plein d'options trop bien qu'en fait, tu t'en as tellement, tu sais pas quoi faire, tu n'auras plus les tirs et tu te les prends sur la gueule. Je crois que j'ai bien résumé le jeu, j'ai même pas besoin d'y jouer en fait pour... Eh ben on ne le sélectionnera pas. Comment ça j'abrège un peu? Je suis loin des 5 minutes. Oh, 2 minutes et demie, ça marche. Regardez-moi ça, encore un shmup de mémoire. Alors, quand les gens font des shmups verticaux de mémoire, moi je suis pas très d'accord. Je vous rappelle que dans un bon shooter, la mémorisation est l'ennemi du gameplay parfait. Le gameplay exceptionnel, l'unique. Celui qui vous donne l'adrénaline et la satisfaction d'improviser des façons de survivre. Alors que le jeu de mémoire est con parce que une fois que vous avez pigé le truc, vous mettez tout le temps au même endroit et c'est fini, basta, bonne nuit. C'est pour ça que ma lutte n'aura de cesse d'aller dans ce sens. Hein, pour vous éduquer un petit peu au shmup respectable et à bien faire la différence avec les shmups qui puent un petit peu. Vous êtes comme moi, vous êtes super impatient, mais je vais quand même vachement attendre la fin de cette démo, elle me plaît trop quoi. Je veux pas aller dedans. Alors on me dit que j'ai un message. Oui. Je fais durer exprès. Non, pas du tout. Regardez ça. On en est qu'à 3 minutes 19 du stream. Et j'ai toujours pas fait voir le jeu vraiment avec moi dedans. Et un crédit. Et deux crédits. Et 3 crédits. En plus, faut que je baisse le son dur. Ah bah oui, non mais c'est comme ça. Hein. Maintenant, je fais des émissions de qualité, les gars. Et j'ai pas envie de quarner. Voilà. Ça va mieux chez vous, ça va mieux pour moi. Et je remets des crédits encore. 4 et 5. Allez. Et j'appuie sur Start, c'est bien ça, hein. Start, elle est où cette touche là? Gauche. 3 minutes 52. Ouais. L'autre, comme il te pose les trucs, là, mais c'est... Voilà. Bon, ok. Faut que t'ailles chercher ta sœur. Ça fait 2 heures que j'en veux y aller chercher des clopes et elle est pas revenue. Je prends mon vaisseau vélo et j'y vais. Alors oui, c'est un vaisseau à pédale, ça se voit pas, mais... cette choupitude me déconcentre, moi. Je suis trop émotif pour ça. Alors des bonus avant de piger ce qui fait quoi. C'est sympa de l'avoir écrit parce que j'avais aucune idée de cet état de désintégration. Je pense que ce jeu on verra pas le boss le premier quoi. Je sais pas, je le sens pas. Il a pas l'air de vouloir m'aimer. J'ai aucune volonté de l'aimer moi non plus, hein, je le dis tout de suite. J'ai raté le engine, c'est dommage. Te fais
Non, je regardais mon téléphone en même temps, en fait. Comment ça, je bullshit totalement. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas un troisième bouton. Comment ça, ça sert à rien. Je vais prendre ce putain de truc. Réfléchis vite, jeune scarvé. On va prendre un ce que la technologie permet, quoi. Voilà. Oh putain, j'aurais jamais dû prendre ça. Comment je me suis fait ken? Mais je me suis fait ken avec la vitesse. Vous avez vu le vaisseau, c'est une savonnette maintenant. Il me faut le tir qui wide beam. J'achète. Yes, it's for me. Alors le mec a quand même réussi donc à te caser une partie RPG dans un shmup. Où tu vas upgrade ton vaisseau qui aujourd'hui est une savonnette. Et tu peux le rendre beau et puissant, je présume. Et on a toujours le système à la Xevious. Et là vous entendez le pad, je pense, normalement au loin. Et vous devinez la position du pad, qui oui est posé à nouveau sur mes genoux. Et je tapote avec l'indexé le majeur. Parce que là on n'est pas dans la bonne position pour faire d'arcade, les gars, avec un pad Xbox, aussi bien soit-il, hein, je le rappelle. Je suis pas. J'ai rien contre Microsoft. On l'a pas déjà fait ce passage. Bon allez, c'est parti. Non mais là je vais gamer. On va gamer. On va gamer. Non, engine, j'en ai pas besoin. Je me suis mis d'accord avec moi-même. Et d'un commun accord, je me suis dit focus sur les missiles. Regarde. C'est perfect. Et là, t'es pété de thunes. Et tu vas le déchirer, quoi. Homing, ça me plaît parfait. Yes, it's for me. On va garder des sous pour bombe. Mais c'est un peu fucked up, comme on dit, c'est un terme technique en shmup, hein, le fucked up. C'est. Ça va beaucoup mieux avec ces homing, hein, les gars. Alors du coup, une fois qu'on a pigé ça, qu'il faut bien équiper son engin pour se mettre en mode Danmaku, on va dire. Select. Barrière, je veux barrière. Quoi, je... Pff. Ok, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Oh, la barrière à 8000, ça doit piquer, ça. J'achète tout, moi. Je suis pété de thunes, de toute façon. Je bosse pour Macron. D'ailleurs, en général, quand on est pété de thunes, ouais, on bosse pour quelqu'un, toujours, quand même. On est un esclave, quand même. On finit toujours par se faire avoir. Mon bouclier, mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais comment ai-je pu survivre sans ce bouclier jusqu'à maintenant? Je vais vite ramasser tout cet argent et ce L qui me permet de faire. Voilà. Et en fait, je viens juste de constater qu'en haut, à droite de l'écran, je pouvais reconstituer des lettres. Et ça aurait été bien que je m'en préoccupe un poil avant. Ça, on s'en fout. Non, mais pour viser l'autre, t'es obligé de passer sur celui que t'as ouvert juste avant. Oui, je m'en reviendrai pas. I want... Je suis à 100, il suffira. Je garde de l'argent pour après, je sens que je vais avoir des problèmes. Est-ce que ce jeu est sélectionné? Alors, les gens qui aiment les trucs originaux pourront dire oui. Les gens qui s'en battent les... ce que vous voulez et qui ont envie d'un shmup, je leur conseille de dire non. Parce que on est quand même loin du shmup là, les gars. Ton shmup RPG où on se ravitaille entre chaque zone là, c'est... D'autres s'y essayent encore en 2018 et c'est juste lamentable comme formule en général puisque, oui, à part faire grinder des gens inutilement plutôt que faire évoluer leur skill, on n'avance pas des masses quoi. T'as vu ça? Un tir, efficacité totale. Et là, je vais être super malin. Je vais prendre le truc le mieux. Et comme ça, personne derrière moi pourra l'avoir.
et je régnerai enfin sur l'univers et les dimensions parallèles. Oui, en racontant toujours n'importe quoi, puisque passé la découverte du jeu, on se fait allègrement pas narrer une histoire très compliquée en fait. Non ? De là à dire que je me fais aussi accessoirement un peu chier. Oui, bah c'est... Oui. Puis alors ce pattern il pue un peu. Game over. Game over s'il vous plaît. Oui. Surtout pas. surtout pas mon amigo. Oh, je suis pas dans le top. C'est bien dommage. Donc, World Planet, on va te mettre au grenier. Hein, parce que t'es pas vraiment un shmup passionnant. T'as essayé 2-3 trucs à ton époque parce que le marché était déjà encombré et puis il fallait essayer de vendre sa soupe. Mais mon gameplay, c'est pas GGN. C'est pas vraiment un shmup hein, avec tous les trucs que tu fais faire. On est interrompu sans arrêt par ces histoires de ravitaillement. Et... Autant dans Xenon 2, c'était rigolo parce que c'était vraiment en fin de stage. Puis ça arrivait voilà, à la fin du stage. Basta, débarrassé. Là, ton niveau, il tourne. Et il tourne la monotonie. Donc voilà, mal au grenier, je vous laisse avec les deux playlists usuelles, c'est-à-dire celle généraliste et celle des shmups, et puis toujours ce bouton abonnement, puisqu'il faut qu'on arrive à 100, et rapidement, c'est un ordre. À demain, ciao.